Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être dans cette magnifique salle de Station Ozone qu'on retrouve avec plaisir avec du public après évidemment plusieurs mois où nous avions l'occasion d'avoir des présentations d'auteurs et par exemple avec Anne Sinclair pour la rafle des notables. Mais j'étais installé à votre place et puis je vous voyais sur un écran de télévision juste ici. Et moi j'étais à Paris et je vous voyais dans un écran de télé. Voilà. Non mais ça c'est les installations Mola. Oui exactement, c'est Denis Mola et Mathilde et toute l'équipe. Voilà. Bien, écoutez, nous sommes ensemble pour présenter votre dernier livre, chère Anne Sinclair, Passé composé. Alors je dis tout de suite, comment on va pratiquer? Il va y avoir 45 à 50 minutes d'échange entre nous deux, puis un petit quart d'heure de questions depuis la salle. Vous attendrez bien que Sandrine arrive avec le micro HF pour des questions de protocole sanitaire. C'est elle qui tiendra le micro. Voilà, mais on prendra 3-4 questions depuis la salle. Voilà, chère Anne Sinclair, il y a des livres ainsi qui peuvent frôler les 400 pages. Passionnant à lire de la première à la dernière page, avec une quinzaine de chapitres qui vous tiennent éveillé fort tard, parce que vous savez que vous allez trouver une pépite au tournant de chaque page. De tels livres méritent attention et respect. Le premier d'entre eux consiste à les lire entièrement et auprès, comme on dit. Notre monde raccourci réduit non seulement les têtes, mais aussi les livres, parfois à un seul chapitre, quand ce n'est pas plutôt à quelques pages, voire à une seule question. Comment peut-elle n'avoir rien su des vies cachées de son mari? Question dans la réponse, et on en conviendra, d'une importance philosophique, politique, culturelle et sociale. Je répondrai si la question vient. D'ailleurs, ce qui compte, c'est la question, d'ailleurs, et pas la réponse, la principale intéressée, puisque l'auteur, souvent, et en la majorité des cas, le questionneur a déjà sa propre réponse, et se moquera presque d'ailleurs de celle de l'épouse trompée. Alors, nous ne vous poserons pas cette question, chère Anne Sinclair. Bon, vous pouvez, je l'aborde dans le livre. On verra. Non pas parce que votre réponse ne nous intéresse pas, mais tout simplement parce que le lecteur trouvera, d'ailleurs, entre les pages 319 et 358 de votre livre, dans un chapitre au nombre symbolique, le 13. Vous avez le droit de lire avant. Mais... Et au titre qui dit votre douleur à l'écrire, le chapitre impossible. Donc, on va revenir plus tard sur ce chapitre. Vous avez intitulé votre livre « Passé composé ». Et vous auriez pu peut-être, en guise de sous-titre, ajouter les deux auxiliaires de la langue française en guise de sous-titre, donc ceux justement que l'on utilise pour la forme grammaticale du passé composé, être et avoir. Car voilà une des clés de votre histoire, chère Anne Sinclair. Votre vie est à la confluence de ces deux verbes. Vous êtes talentueuse et vous avez la grâce. Vous êtes fragile et vous avez la force. Vous êtes une mère et une grand-mère. Et vous avez eu une mère et un père aussi. Vous avez eu des téléspectateurs et vous êtes écrivaine. C'est tout cela que raconte votre livre dans un passé recomposé de tous ces morceaux de vous-même et de ceux qui ont croisé votre route. On découvre, on comprend, on mesure que ce furent des fragments de passé, pas toujours simples, imparfaits évidemment, mais vous en avez fait une composition conjuguée au présent pour notre plus grand bonheur de lectrice et de lecteur. Je voudrais commencer en vous posant une première question qui ne porte pas du tout sur le début de votre livre, puisqu'elle concerne votre chapitre 12, intitulé « Carte d'identité, carte au singulier, identité au pluriel ». Page 302, je vous lis. « Je dirais que je suis une femme, mère, française, juive, de gauche, journaliste, et plutôt dans cet ordre. Est-ce que vous pourriez reprendre pour nous, en guise de première réponse, cette étoile à six branches ?» Votre propre Magathe David, puisqu'il y a six mots là. D'abord, je vous remercie de, à la fois de toutes les gentillesses que je sais sincères, parce que je vous connais, Jean, que vous avez dites et qui me touchent. Oui, c'est un passé composé, parce que je ne l'ai pas appelé passé simple, et que je ne l'ai pas appelé non plus futur antérieur. Encore que l'anecdote veut que l'administration chez Grasset, mon éditeur, m'avait envoyé le contrat. Il avait écrit « passé décomposé ». Et donc, je me suis dit... C'était une faute de frappe, mais après tout, sait-on jamais. Donc, oui, merci. Merci de cette invitation. Et merci beaucoup, la librairie Mola, de m'accueillir et à vous d'être venu. Je fais une définition au pluriel des identités parce que je n'aime pas les identités singulières.
et que je pense qu'on ne se résume pas, même si l'époque est extrêmement... veut vous, absolument vous caser dans des cases, et que justement l'identité, qu'elle soit communautaire, qu'elle soit sexuelle, qu'elle soit de genre, qu'elle soit raciale, est aujourd'hui presque un impératif pour vous mettre dans une case. Moi, je n'aime pas ça. Je pense que les définitions des hommes, c'est comme les choses, c'est complexe, et que c'est une sorte de maillage qui fait à la fois une histoire, qui fait un destin et qui fait une personne. Et donc, j'ai essayé de rassembler, j'avais pas compté que ça faisait 6, mais j'ai essayé de rassembler ce que je suis, et j'aurais pu en rajouter encore des tas de définitions. Mais c'était pour montrer que, justement, je voulais me rattacher à des tas de choses différentes. Alors oui, je suis femme, c'est difficilement discutable, et encore, on pourra parler là-dessus. Je suis une féministe sage, je le dis d'une manière générale. Je suis assez modérée. Je le dis d'ailleurs dans le livre. Je suis une vieille modérée. C'est pas la mode. J'aime beaucoup le livre de Jean Birnbaum qui s'appelle Le courage de la nuance, qui vient de paraître. Et je pense qu'aujourd'hui, la nuance, la complexité des choses, le refus d'être mis dans des cases spécifiques, c'est une richesse. Donc oui, je suis une femme, il n'y a pas de doute. Je suis une mère. Je suis une fille aussi, je ne l'ai pas dit, mais c'est dans les premières pages du livre. Je suis... Qu'est-ce que je dis après ? Je ne sais même plus. Femme, mère, française. Française. Alors, française, il n'y a pas de doute, je suis française par tous les pores de ma peau. Je suis née aux États-Unis. Vous avez même renoncé à votre double nationalité. Oui, j'avais la nationalité américaine. Vous êtes née sur le territoire américain. Je suis née sur le territoire américain, ce qui suffit pour obtenir la nationalité américaine, mais j'y peux rien, ce n'était pas de ma faute, si j'ose dire. Mais toutes mes racines sont françaises, mon éducation, mon amour de la littérature, mes connaissances, voilà, toute ma vie s'est passée ici en France, et même si les États-Unis m'ont toujours intéressée, et surtout maintenant plus que l'année dernière, je me sens parfaitement française par tous les pores de ma peau, et je dois dire qu'un des joies de ma vie, et un de mes grands plaisirs, ça a été, vous savez, les maires de France décernent à certains moments décident qui sera la Marianne. Alors autrefois, c'était très solennel, c'était Brigitte Bardot ou Catherine Deneuve, le bus dans les mairies. J'ai pas de chance, la mode s'était développée et s'était modernisée, donc j'ai pas mon bus dans les mairies, mais certaines mairies avaient fait un hologramme, et cette année-là, j'avais été déclarée Marianne. C'était une belle année, je crois que c'était 1989 en plus. 1989, j'ai été Marianne, et ça a été une fierté formidable pour moi, et un honneur extrême. Donc, juive, sans aucun doute non plus, je suis d'une famille juive, je suis juive moi-même, pas de manière religieuse, mais de manière culturelle, de manière historique, et d'appartenance à une histoire, à un destin, un peuple, et une certaine fierté de l'être, comme on est fier des éléments qui vous composent, et de gauche, oui. Pas vraiment. Passages qui sont passionnants. C'est pas vraiment un secret, encore que je me suis toujours attachée à être, sinon objective, parce que l'objectivité n'existe pas en journalisme. L'objectivité, on arrive avec ce qu'on est. Et on est le produit de son histoire, de sa culture, de ses affinités, etc. Donc l'objectivité, c'est-à-dire la neutralité parfaite, n'existe pas. En revanche, l'honnêteté existe. Et je me suis toujours efforcée, et je crois que tous, de gauche comme de droite, ils l'ont compris, puisqu'ils y venaient dans mon émission, d'être parfaitement honnête et loyal et poser les questions qui s'imposent à tout le monde. Et enfin journaliste, parce que ça, c'est un choix de vie, ça m'a beaucoup défini, et je l'explique dès le début du livre, et c'est l'envie formidable de, vous savez, on veut être infirmière, pompier ou pilote de ligne, et ben moi je voulais être journaliste, et donc j'ai été... Vous racontez, voilà. On va y venir aussi, que cette envie d'être journaliste,
eh bien, vous la cueillez en quelque sorte, où elle s'offre à vous très jeune. En écoutant très jeune les reportages audio sur la guerre d'Algérie. Hein, exactement. Voilà. Alors, au chapitre du qui je suis, page 312, comme vous dites, vous citez quelques traits de caractère que vous reconnaissez, écrivez-vous. L'amitié, la franchise, vous dites même que vous êtes d'une radicale amitié, hein, absolue. La franchise, vous ignorez l'envie, mais la jalousie, non. Oui. Vous dites sensible à l'extrême, souvent mélancolique, fréquemment angoissée, peu audacieuse, paresseuse cachée, gourmande. Et vous avez ces conclusions sur votre tableau. Enfin, j'aime la vie et j'aurais du mal à la quitter, car elle a été douce pour moi et généreuse en bienfaits. Il y a quand même page 10, dès le départ... Je ne vais pas la quitter tout de suite. Hein. Oui, j'espère bien. Dès le départ... Vous dites, je n'ai jamais eu une bonne opinion de moi-même. Mmh. Votre premier chapitre s'intitule Une gentille fille. Page 73, vous dites, je faisais donc de la danse et n'étais pas doué. Du piano aussi, mais j'accrochais les notes. Une éducation de petite fille de bonne famille, pas plus habile de son corps qu'elle ne l'était de ses mains. Quand est-ce que Anne Sinclair s'est mis à aimer Anne Sinclair ? Ah, ça, pas beaucoup. Pas beaucoup. Je suis quelqu'un de critique et de critique sur moi d'abord parce que je déteste la vanité. Et même si l'exercice d'écrire ses mémoires, c'est quand même un exercice un peu narcissique, j'essaye de ne pas l'être et je crois ne pas l'être fondamentalement. Je suis pas très sûre de moi. Je suis toujours angoissée, inquiète. J'ai l'impression que je pourrais faire mieux. J'ai toujours été comme ça, enfant et plus tard adulte. Je dirais que c'est plutôt porteur. Ça vous sert de moteur aussi pour avancer. Et puis que c'est aussi une antidote à ce métier de la télévision qui est ce que j'ai toujours répété là quand je donnais des quelques interviews à la télé. Je dis, c'est pas grand chose la télé, c'est franchement pas grand chose. Bon, c'est un métier, vous le faites, vous le faites plus ou moins bien, les gens vous aiment plus ou moins, mais vous êtes en vitrine et donc on vous consomme parce que vous êtes en vitrine. Et puis on en met d'autres en vitrine, on vous consomme aussi, on les consomme aussi. Il n'y a pas d'acte volontaire, il n'y a qu'un acte pour éteindre. Vous avez la télécommande et vous pouvez zapper, c'est-à-dire éliminer la personne qui parle, mais vous ne la choisissez pas comme vous choisissez un livre quand vous entrez dans une librairie, un film quand vous entrez dans un cinéma. Donc il faut avoir conscience de ça. Il faut avoir conscience que, bon, encore une fois, quand vous paraissez dans une lucarne, et ben vous êtes connu, même si vous présentez le loto, et il n'y a pas de saut métier, y a pas, c'est très bien de présenter le loto. Mais je veux dire, on vous reconnaît parce que vous paraissez, mais ça ne fait pas de vous un critère de qualité. Et j'ai toujours eu cette dimension à l'esprit qui fait que bon, ça m'a épargné peut-être comme d'autres facilement à la télévision d'école et s'imaginent qu'ils sont le centre du monde. Bon, pas du tout. Je suis une femme normale. Vous dites vous-même que, à part certains côtés, poussé un peu à l'extrême, ce regard sur vous-même que vous estimez pas, enfin, qui est pas positif, ça vous a parfois bloqué. Oui, ben oui, parce que quand vous pensez que vous êtes sinon le maître du monde, mais du moins que le monde vous appartient, vous êtes dominant, vous allez dans toutes conquérant. Les aventures, conquérant. Et quand je dis peu audacieux, c'est vrai, je me demande toujours si je suis à la hauteur de ce que on me propose, et donc j'ai jamais été. En fait, les événements sont venus à moi, dans ce sens que j'ai eu beaucoup de chance. Je les ai pas vraiment provoqués. Alors, il y a début du livre, vous évoquez votre papa et votre maman, et une scène qui est très drôle, qui est la mention qui est faite de votre grand-père, Paul Rosenberg. Alors, vous avez écrit... J'ai écrit sur mes deux grands-pères, et heureusement, j'en ai que deux, donc maintenant, donc, c'est fait. J'en aurai plus personne avec ma famille. Donc, c'est 21 rue de la Boétie, en 2012. Il y a une très belle photo de vous, vous avez 20 ans,
Et c'est, vous êtes à Mougins avec Picasso. Alors, il n'a pas sa célèbre marinière, il a une chemise à carreaux, il a la main sur votre épaule. Et là, vous dites, mais je pense que vous étiez beaucoup plus petite, hein, vous aviez peur qu'il vous tire le portrait. Et vous dites, il en menaçait parfois ma mère. Alors, je rappelle, mais tout le monde le sait, que votre mère est peinte par Picasso sur les genoux de votre grand-mère dans un tableau très, très célèbre, au musée Picasso, magnifique. Alors, vous disiez, mais vous dites, comme il en menaçait ma mère parfois, ce serait forcément une gueule tordue, comme je les appelais alors, avec un visage fracassé à la Doramar. Il ne le fit pas. Je m'en suis réjoui, ce qui en dit long sur mon flair artistique. Ce qui est très drôle. Mais... Oui, j'avais 13 ans, 12 ou 13 ans, et ma mère m'amenait voir Picasso, ce qui était une chance, mais que je ne mesurais pas, évidemment, la chance que j'avais de côtoyer un génie. On côtoie des génies, mais on ne le sait pas toujours. Et un jour, il avait dit, mais il faudrait que je lui fasse son portrait, je lui vois des yeux partout. Et j'ai crié non, et je suis partie courir jouer dans le jardin parce que je me suis vue, oui, pour moi, Picasso, c'était les visages très fragmentés. Ouais, et donc, ça dit long sur mon flair artistique. J'ai une photo avec Picasso, mais j'ai pas de portrait. Voilà. Et vous dites par contre que de cette fréquentation, évidemment, avec votre grand-père, votre maman qui avait un goût artistique très sûr, dites-vous, vous en avez nourri une passion muséale que vous avez d'ailleurs transmis à David et Élie, vos deux garçons. Alors d'ailleurs, ça les énervait un peu, si j'ai bien compris. Quel est le musée que vous préférez au monde, s'il y en a un? Le musée de l'Académie à Venise. Ah oui. Qui est un magnifique musée où il y a toute la peinture vénitienne, où il y a le Quattrocento au départ, ces tableaux magnifiques avec la dorure à l'intérieur des tableaux, Fra Angelico et autres. Et puis on entre et on entre petit à petit dans la peinture vénitienne, le Tintoret, Véronèse, tout ça, des toiles absolument magnifiques. Je connais à peu près l'enchaînement des salles à peu près par cœur, et on termine par les Carpaccio, la légende de Sainte-Ursule, vous voyez. Très bien. Voilà. Et mes enfants... C'est pas dans le livre, mais c'est une belle précision. Et mes enfants et mes beaux-enfants, je les ai traînés dans les musées, je leur lisais le guide bleu, et un jour, je me suis aperçue devant le Panthéon à Rome qu'ils étaient partis chez le glacier d'à côté, et que je lisais le guide bleu pour tout le monde. Il est très bien, le glacier à côté du Panthéon. Il est très bien, et ils l'avaient repéré, et donc... Et maintenant qu'ils sont grands, adultes, et qu'ils ont eux-mêmes des enfants... Mon fils, l'autre jour, était avec les enfants parce qu'il habite en partie aux États-Unis, et il me disait, je les ai emmenés dans le Colorado et je leur montrais des trucs et ils étaient là à faire des blagues idiotes. Ils ont 6 et 9 ans et donc ils ont l'âge des blagues idiotes et ils voient ce que c'est que d'être parents. Alors, vous avez une scolarité dans un établissement assez étonnant qu'on confond d'ailleurs parfois avec l'école alsacienne à tort, hein, qui est le cours Atmer. C'était un établissement très renommé. Je crois que c'est toujours assez bien coté, mais enfin, oui. Il ne me serait jamais venu l'idée de mettre mes enfants dans... mes enfants sont allés à l'école publique. Mes parents m'avaient mis là parce que ça avait une très bonne réputation et parce que, à l'époque, ma mère m'emmenait aux États-Unis l'hiver pour voir ses parents, et donc c'était un établissement où on pouvait avoir suivre par correspondance aussi. Ah oui. Dans les petites classes. Et après, c'est devenu sérieux. Et j'étais tout à fait en présentiel, comme on dit horriblement aujourd'hui. Et là, vous avez des copains et des copines d'école dans votre classe. Hein, c'est pas mal. Vous dites que la plus géniale, c'était Véronique Sanson. Ah oui. Il y a Jean-Jacques Chaban-Delmas. Hein, et vous apprenez à vous planquer sous les tables par rapport aux attentats de l'OAS. Oui, Jean-Jacques Chaban-Delmas, c'était le fils du président de l'Assemblée nationale, qui était gaulliste. Dans les années 62-63, 61-62 plutôt, oui, oui. Il y avait des attentats de l'OAS et donc les familles des gens de gaullistes pouvaient être visées. On avait eu un cours pour nous expliquer si jamais il y avait l'OAS qui débarquait et un attentat, comment fallait aller sous les pupitres, et ce qui nous aurait pas beaucoup protégés d'ailleurs. Mais on rêvait évidemment de ça parce que ça aurait été un peu piquant, puis ça aurait arrêté les cours. C'est quand même une drôle d'école, parce que vous dites que
le vendredi après-midi, et pas du tout pour des questions religieuses, vous partez avec vos parents à Fleury-en-Bière, hein, à la campagne. À la campagne, parce que votre maman a décrété que vous deviez prendre l'air pendant 2 jours par semaine. Les parents assistent aux cours. Vous avez peur de la gouvernante de Jean-Jacques Fabre-Delmas, ce qui n'est pas facile. Oui, mais c'est une école qui est très réputée, puisque, enfin, elle l'était très réputée, puisque j'avais été admise en hippocagne sur mon livret scolaire avant même d'avoir mes résultats du bac. Donc c'était quand même très admis et très réputé par l'éducation nationale. Il reste que dans les petites classes, c'est-à-dire avant la sixième, dans le primaire, on allait au cours une fois par semaine, enfin le grand cours. Quand je raconte ça à mes petits-enfants, ils me regardent avec des yeux ronds en disant « Mamie, c'est pas normal ». C'est bon, pas normal, oui. Et donc, on allait une fois par semaine, mais les parents ne pouvaient pas vous faire travailler à la maison, on pouvait rester évidemment à travailler avec des maîtres et des maîtresses qui étaient là. Mais dans les grandes classes, les parents pouvaient assister aux cours. Ma mère, heureusement, n'assistait qu'aux cours de français et de latin où j'étais plutôt bonne, et elle n'assistait pas aux cours de maths et de physique où j'étais plutôt nulle. Alors, vous avez un père que vous, évidemment, vous adorez, extraordinaire, donc Schwartz, c'est le nom de famille, hein, donc vous racontez bien ça dans la rafle des notables. Il avait pendant la guerre, pour préciser les choses, il avait comme il partait combattre dans la France libre et qui s'appelait Schwartz, et que ses parents étaient restés à Paris sous l'occupation pour protéger sa famille. Il avait changé de nom, et il a changé de nom pour le nom de Sinclair à travers des péripéties que je raconte, et qu'il a gardé par la suite, et que moi je m'appelle Sinclair aussi. Mais ça n'a pas vraiment protégé son père, ce que je raconte dans la rave des notables, puisqu'il a été arrêté par la Gestapo. Et votre papa aimait, dites-vous, ça c'est très émouvant, citer un extrait du très beau poème d'Aragon, que tout le monde connaît, hein, sur le groupe Manoukian, titré « L'affiche rouge ». Chanté par Léo Ferré. Voici le vers que vous... Que vous citez dans le livre, je l'ai remis entre les deux, celui qui précède et le suivant. L'affiche qui semblait une tache de sang, dit Aragon, parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles, il cherchait un effet de peur sur les passants. C'est absolument magnifique. Et vous vous dites, si je m'étais appelé Hans Schwartz, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué pour la télévision. Oui, simplement à prononcer, oui. Mais pourquoi avez-vous, vous le dites dans le livre, un peu reproché à votre papa d'avoir effacer un peu la judéité dans votre Je ne vais pas reprocher, mais j'ai fait en sorte que, m'appelant Anne Sinclair, on sache quand même que j'étais juive, ouais. Et que si ça déplaisait à certains, ben, qu'ils le sachent quand même. Et ça a déplu beaucoup à certains. Qu'est-ce qui coinçait entre votre papa et le De Gaulle, si je puis dire? Parce qu'il a été la voix de la France libre à Radio Beyrouth. Goebbels dit qu'il faut... Il avait condamné à mort le juif Sinclair. Le juif Sinclair. Et votre papa n'est pas gaulliste, il n'a jamais été. Il était gaulliste pendant la guerre, et il était anti-gaulliste à partir du 13 mai 58, parce que... Un peu avant, quand même, sous la 4e République, sous la 4e... il est plutôt mendésiste. Oui, il est mendésiste, et surtout, voilà, il se méfiait d'un général qui revenait au pouvoir avec l'Algérie française, puisqu'au départ, c'était un peu ça, même si De Gaulle a été très habile et excellent pour essayer de justement moduler sa politique, qui est pour faire accepter par ceux qui refusaient la dépendance de l'Algérie, et faire accepter l'indépendance. Mais au départ, il y avait de la part de certaines populations de gauche qui refusaient le général comme quelqu'un qui était potentiellement un général au pouvoir en France. On n'aimait pas ça, c'était pas la tradition républicaine, même si le général avait dit à 65 ans, vous me voyez devenir un dictateur. Bon, aujourd'hui, le général a une... on a envie de se dire gaulliste. Moi, j'ai envie de me dire gaulliste, parce que c'était à la fois un moment où la République était puissante, elle était solide, les institutions l'ont été, la 5e République a été un progrès par rapport à la 4e, même si aujourd'hui, on voit bien les difficultés, les failles de la 5e République et qui aurait vraiment besoin d'être modernisé, mais à l'époque, c'était fallait manifester contre le général. Et donc, moi en 68, j'ai fait comme les copains, j'ai manifesté contre le général.
Alors, d'autant qu'en 58, c'est la position de Mendès, exactement celle-là. Mendès est un des rares dans la vie politique française, avec Mitterrand, avec Charles Hernu et quelques autres, et Alain Savary, à ne pas cautionner le retour du général. Comme oui, et à s'opposer à la Ve République, ce que Mitterrand lui a corrigé, puisqu'il s'est parfaitement adapté à la Ve République. Alors, vous parlez de votre maman dans des termes qui sont très touchants, là aussi. Page 30, j'ai relevé, vous dites « Elle était malheureuse et, de ce fait, la reine des emmerdeuses ». C'est une relation très compliquée que vous avez avec votre maman. C'est affectueux, cette façon d'en parler. Ma mère était une femme à qui je dois énormément. C'est-à-dire que la conjugaison entre mon père et ma mère a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. C'est-à-dire, mon seul père était en adoration devant sa fille, ben, il aurait fait une formidable paresseuse, ce que je suis profondément. Et ma mère en a fait une paresseuse contrariée. Et donc, plus sérieusement, elle m'a poussée à travailler un peu, à faire quelques études, et ensuite à être exigeante et pas me satisfaire. C'est peut-être pour ça que je suis d'ailleurs assez... Enfin, on va pas faire une séance de psychanalyse, et je vais pas m'allonger là devant vous, mais c'est sans doute pour ça que je suis largement insatisfaite. C'est que j'ai appris que, voilà, qu'on n'était pas... C'est pas toujours très bien. On n'était pas toujours très bien, qu'il fallait se donner du mal pour être mieux. Donc ce mélange-là, je leur dois beaucoup. Oui. Et vous dites aussi que votre maman est une super fourmi, alors que votre papa, il est plutôt cigale. Exactement. On disait tout à l'heure en loge, bon, vous tombez, si je puis dire, amoureuse d'Europe numéro un, comme on disait à l'époque, hein, très très tôt, très jeune, et vous voulez faire journaliste à Europe numéro un. Donc je disais tout à l'heure à Anne Sinclair que ça rappelait un sketch de François Morel et des Deschiens, où il présente quelqu'un qui cherche un travail, mon gars, je sais plus comment, qui veut faire chanteur d'opéra au Mans, entre 16h30 et 18h30, et plutôt le mardi et le jeudi. Hein. Bon, donc vous voulez faire journaliste à Europe numéro 1 et nulle part ailleurs. Mais pour j'ai 10 ans à l'époque, ouais. J'écoute la radio qu'on écoute chez moi, et je trouvais que c'était un métier extraordinaire. D'ailleurs, je le dis toujours, c'est un métier que je n'ai pas moi-même exercé, parce que c'était le métier du reportage, de donner à comprendre le monde tel qu'il était. C'était un peu une vocation pédagogique qui m'a plu. J'aurais peut-être pu être prof, mais j'aimais l'idée d'essayer de donner aux gens un résumé, essayer de toucher un peu la complexité du monde. Et je trouvais que c'était un métier formidable. Et donc, j'étais fascinée par ça. Vous savez, à l'époque, mes parents n'avaient pas la télévision, j'étais pas une enfant martyre, on a eu la télévision, j'étais en terminale, j'avais 16 ans, et à l'époque, on parlait pas de la télé dans la cour de récré, on parlait pas, comme aussi aujourd'hui, on privait les enfants d'Internet ou de leur téléphone portable, ce serait gravissime à l'époque, pas la télé, ça disait rien, donc... À 10 ans, on ne savait pas ce qui se passait. Moi, ma petite fille, qui en a 6, m'a demandé l'autre jour si Macron allait se retrouver face à Marine Le Pen. Alors, j'ai trouvé que c'était un peu tôt. Et je lui ai dit que je tâcherais de lui expliquer dans les mois qui viennent un peu comment ça allait se passer. Mais à l'époque, on savait rien. Et quand j'ai entendu donc les événements d'Algérie, Europe 1, qui est une grande radio et pour laquelle je vais aller manifester demain avec les journalistes qui en font aujourd'hui partie et qui craignent d'être rachetés, qui savent qu'ils vont être rachetés par Bolloré, et devenir peut-être l'annexe de CNews, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'est Europe 1 dans sa tradition, qui était au fond la première radio libre. Et donc, Europe 1 me paraissait le Graal. Et donc, j'ai tout fait pour, une fois mes études finies, mettre un pied dans la porte, porter les cafés, me rendre utile, balayer par terre et puis, petit à petit, devenir journaliste. Et vous racontez que, alors que vous êtes jeune militante,
une sensibilité de Mendésiste auprès de Pierre Mendès France. Vous croisez Yvan Levaille dans une conférence de Mendès France. Vous lui demandez de l'aider. Je le tire par la veste et je lui dis l'aider. Comment est-ce que je peux faire pour entrer cette stagiaire européen. Il m'a dit oh, écrivez. Écrivez, on vous répondra. Oui, j'ai écrit. Et on m'a pas répondu. En résultat, vous l'avez épousé. Voilà. Plus tard, oui, en effet, c'est le père alors, des enfants. Vous parlez de personnages qui sont absolument étonnants. Jean Gorini, c'est extraordinaire, le patron. Hein, et puis d'autres. Alors, vous faites le portrait de vous avez commencé à travailler avec Étienne Moujotte, avec Alain Duhamel, qui est toujours là. Il y a un personnage assez fascinant sur lequel Pierre Assouline a écrit un livre. Lucien Combel. C'est Monsieur Larousse. Et là, il a une relation avec vous qui est assez compliquée. Je dirais pas pervers, mais racontez-nous, parce que c'est un drôle de type. Lucien Combel était, j'avais l'impression qu'il avait 90 ans et il en avait 60, je pense. Il avait une démarche un peu lente et solennelle. C'était un grand gaillard qui avait été secrétaire de Gide et qui était très, très cultivé et qui avait ensuite, pendant la guerre, été écrit dans Je suis partout, qui était l'organe de la collaboration la plus active. La plus active, et où il avait été... il rédigeait des papiers, des critiques de livres, etc. Et il a, à la Libération, il a payé, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, et il a payé en étant... il a fait 10 ans de prison. Et quand on dit que l'épuration n'a pas été bien faite, il y a des responsables politiques autrement plus importants et qui ont eu d'autres conséquences, comme Bousquet, Le Guay, etc., qui n'ont jamais fait de prison et jamais été inquiétés, qui ont trouvé le moyen de se dépêtrer de tout ça. Et Lucien Combel, ensuite était revenu, on l'appelait Monsieur Larousse parce qu'il était, il donnait les définitions des mots, les origines sémantiques. Un peu Alain Rey Alain Rey écrivait les dictionnaires et Monsieur Larousse n'écrivait pas. Mais en tout cas, c'était un homme intéressant. Et un jour, je me souviens très bien, il m'a montré dans son portefeuille une photo prise d'Hitler à 3 mètres. Et c'était, vous savez, les photos quand Hitler visite Paris à 5 heures du matin en juin 40, une fois que Paris est occupé, et on voit Hitler devant la Tour Eiffel. Et bien lui, il avait un cliché qui n'était pas le cliché officiel qu'on connaît, mais qui était un cliché qui lui permettait d'être très près. Et donc, il y avait quelque chose d'étrange dans sa culpabilité à montrer ce cliché et en même temps sa provocation à le faire. Et c'était un personnage que j'aimais. Oui. Alors, ça montre aussi la complexité de la vie. Qu'est-ce qui vous a... Alors oui, vous faites l'éloge de la radio. Vous dites que la radio est modeste, agile et familière. Oui. En fait, c'est tout l'inverse de la télé. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on met des caméras maintenant dans les studios de radio ? Je crois que si on les oublie, c'est très bien. Et d'ailleurs, pendant tout le confinement, ce qui était bien, c'est que les émissions de radio se faisaient avec un masque. Ce qui veut dire qu'on n'était pas vraiment à la télé ou là où on l'enlevait la plupart du temps. Non, la radio, c'est la familiarité, c'est la proximité, c'est la facilité d'être en contact avec l'auditoire. Alors évidemment, on pourrait dire qu'on peut être en contact avec les téléspectateurs, mais à la télé, vous êtes vous êtes maquillé, il y a des lumières, c'est théâtral. La radio, c'est la vie. Et j'ai fait l'essentiel de ma carrière à la télé, mais j'adore la radio. Alors, j'avais plein de questions à vous poser sur Mendès, sur Mitterrand. C'est passionnant dans le livre, y compris quand vous raccompagnez Mitterrand à Paris depuis Château-Chinon avec Yvan Levaille et qu'un caillou explose le pare-brise de votre vieille Citroën et vous mangez à Saulieu. Hein, oui, Mitterrand a le pare-brise sur les genoux. Voilà. Après, vous le déposez rue Jacob. Vous ne savez pas très bien d'ailleurs pour quelle raison, mais enfin, vous allez comprendre plus tard. Il y a une scène que je crois que beaucoup dans la salle doivent avoir en tête. C'est cette fameuse émission avec Jacques Delors le 11 décembre 1994. Vous en faites une recension extrêmement précise. Donc c'est cette émission à 7 sur 7 qui existe depuis 1994.
J'ai commencé en 84, mais elle existait 2 ans avant. Elle avait été créée par des journalistes qui sont partis à Canal. Et donc, le TF1 a voulu conserver le rendez-vous et l'a donné à Jean Lanzy, qui était un journaliste que j'aimais beaucoup et qui était un grand journaliste et qui m'a proposé de faire une semaine, parce qu'il ne voulait pas la faire toutes les semaines. Et puis il est parti au bout de 2-3 ans parce que quand les Bouygues ont racheté TF1 et qui moi ils m'ont racheté avec les meubles et Jean Lanzy est parti, j'ai assumé l'émission toute seule. Alors cette émission est évidemment, j'allais dire, historique, puisque vous dites d'ailleurs après à Jacques Delors le lendemain qu'il y a eu entre 12 et 13 millions de téléspectateurs. Alors il faut peut-être nous raconter un petit peu, parce que vous avez même élaboré un code avec votre mari de l'époque, voilà et voici. C'était un peu infantile, je l'ai raconté. Expliquez-nous cette histoire, parce que Delors arrive et vous ne savez pas si au moment où il rentre dans la salle de maquillage, s'il se présente ou pas. Oui, de la même manière que je n'ai pas un sens artistique aigu, je ne dois pas avoir un sens politique aigu, donc il fallait mieux que je ne fasse pas de politique, parce que j'étais sûre qu'il allait se présenter. J'étais allée le voir à Bruxelles, et tout ce qu'il m'avait dit, j'étais sortie avec l'idée qu'il allait se présenter. Il faut essayer de se rappeler, ceux qui étaient trop jeunes ou qui ne se souviennent pas, il y avait une attente incroyable. C'était en 1994. Il y avait l'élection qui était en 95. C'était après les 7 années Mitterrand. C'était Balladur qui était Premier ministre. On savait qu'il allait y avoir une guerre entre Balladur et Chirac. Et tout le monde attendait un peu la décision de Jacques Delors. Je me souviens personnellement, j'étais passé à un feu qui était un peu rouge, orange foncé, et je m'étais fait arrêter par le flic qui avait baissé ma vitre. Lui ai dit, écoutez, il faut que j'aille à la télé, là je suis pressé. Et il m'avait dit, bon, je vous laisse partir, mais il se présente ou il se présente pas. Donc je m'étais dit qu'il y avait quand même une attente assez forte. Et le matin même, j'avais appelé Delors en lui disant, je peux pas faire l'émission sans savoir où on va. C'est très compliqué d'avoir quelqu'un dont on sait absolument pas ce qu'il a l'intention de faire. Il m'a dit, je vous le dirai quand j'arrive à la télé. Alors il arrive et on l'emmène dans le salon de maquillage. Il était 7h10, l'émission commençait à 7h, et il fait sortir tout le monde et il me dit, je n'y vais pas. Alors d'abord, moi-même, j'étais déçue parce que j'attendais, j'espérais, comme beaucoup, beaucoup de Français à l'époque, il était très, très populaire. Et je lui dis, bon, ben, on va pas commencer comme ça, parce que sinon, les gens tournent le bouton, on va se coucher au bout de la première minute. Et moi, j'ai une émission qui dure 1 heure, il faut quand même qu'on tienne. Il me dit, oui, de toute façon, je voudrais pouvoir expliquer pourquoi, au fond, je décide de pas y aller, et donc, quelle est la situation de la France. Et donc, on fait une première demi-heure sur son analyse de la situation française. Et son analyse était tellement... conduisait tellement à une réponse positive, parce que visiblement, il savait ce qu'il devait faire pour changer la France, et il en faisait la liste de tous les blocages, que moi-même, je me suis dit, mais t'as rien compris, ma pauvre fille. Il t'a dit qu'il y allait pas, mais en fait, il y va. Mais c'est peut-être pas la seule, parce que même dans les plus proches de Delors, il téléphone à la femme de Jacques Delors. Oui, c'était le mari de l'époque de Martine Aubry qui appelle donc sa belle-mère, Marie Delors, la femme de Jacques Delors, qui il voit l'émission, il téléphone, il dit il a changé d'avis, parce que lui, il était au courant. Chirac et Balladur et Mitterrand, tout le monde croyait qu'il allait y aller à le voir. Donc, j'étais pas Mitterrand. Non, Mitterrand pensait. Mitterrand disait il veut être nommé. Il veut pas être élu, ce qui est un mot assez méchant. Oui. Mais bon. Mais en tout cas, tout le monde a cru qu'il voulait y aller. Donc ça donne bien l'idée d'une bataille intérieure qu'il y avait chez cet homme qui, au bout d'une demi-heure, a donc expliqué qu'il n'y allait pas. Dans quel état d'esprit on est quand on sait qu'il y a peut-être 12, 13 millions, vous n'avez pas le chiffre exact, que c'est une... On dit, vous faites l'histoire en direct à ce moment-là, c'est vous qui la faites. C'est pas paralysant, ça ?
Non, d'abord, il ne faut jamais penser combien il y a de monde à l'écoute, parce que justement, vous ne vous rendez pas compte. Et puis, c'est comme si vous disiez qu'un auteur qui publie un livre va rencontrer le succès, il ne le sait pas, il écrit parce qu'il a besoin d'écrire. Mmh. Ou un acteur qui rentre sur scène et qui voit une salle pleine ou une salle moins pleine, ça ne change pas sa façon d'apprécier le texte et de jouer. Donc moi, je ne suis jamais qu'un... pas faire valoir, mais un porte-voix. Je suis quelqu'un qui, interrogeant quelqu'un, je lui permets de donner son message. Donc c'est lui qui a fait l'attente pour lui. C'est ça qui a fait l'intérêt de l'émission. Avec ça, j'ajoute qu'à l'époque, il n'y avait que 6 chaînes. Quand j'ai commencé, il n'y avait même que 3. Mais il n'y avait pas les chaînes de télé continue. Il n'y avait pas d'info continue. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas l'information qui jaillit partout maintenant. Alors, vous rappelez aussi une émission. Ça, c'était Question à domicile. Avec Jacques Chirac, avec Pierre-Luc Séguillon, à Matignon. Il vous appelle Madame Séguillon, d'ailleurs. Oui, il ne voulait pas être aimable. Mais vous dites quand même, page 161, Chirac, il faut dire qu'il était sympathique, vraiment sympathique, direct, sans façon, moins olympien que Mitterrand qui le précéda, moins canaille que Sarkozy qui lui succéda. C'est très joli. Alors... pourquoi est-ce que vous avez toujours refusé de recevoir Jean-Marie Le Pen ? Je crois que tout le monde a compris et le sait maintenant. J'y consacre quand même un chapitre dans ce livre parce que je ne voulais pas qu'on croie que c'était un caprice. Et c'est assez compliqué à expliquer, sauf que je pense profondément qu'il est difficile d'interroger des gens qui ne sont pas dans une orbite de la démocratie. Or, Jean-Marie Le Pen était condamné par les tribunaux, il était en infraction avec la loi, il avait été condamné pour racisme, pour antisémitisme, pour provocation à la haine raciale, toute chose qui en faisait quelqu'un qui n'était pas banalement dans le cercle de la démocratie. Et donc je pense que quand on est journaliste, en dehors des difficiles rapports que j'ai eus avec lui, parce que il avait insulté le père de mes enfants, il avait dans sa presse on me traitait de tous les noms. Minute, c'est incroyable les insultes. Terrible. Minute, oui. Bon. Mais au-delà des aspects personnels, il y avait aussi le fait que je pense qu'un journaliste, s'il interroge Xi Jinping ou s'il interroge les militaires au pouvoir en Birmanie, il est un peu le porte-voix, le faire-valoir, là, pour le coup. Et un journaliste, un intervieweur, n'est pas à égalité avec la personne qui l'interroge. Seul un débatteur peut l'être, et un égal peut l'être. Et un journaliste, là aussi, il faut être humble de ce que ça veut dire que le métier. Il a pas, le journaliste et permet à quelqu'un de donner son message et ne permet pas la vraie discussion. On ne peut pas dire à quelqu'un qu'on interviewe « vous mentez ». Bon, et ben, comme on ne peut pas dire « vous mentez », quand vous avez un menteur, c'est très compliqué. Je recommande la lecture du chapitre sur la Tour Infernale, ça c'est le titre, hein, c'est TF1 avec un portrait de Patrick Lelay en 3 pages, enfin plus qu'un portrait, avec Moujotte aussi. C'est un drôle de bonhomme avec lequel, dites-vous, vous avez eu de très bonnes relations apparentes et d'exécrables relations de fond. Nous ne nous aimions pas, mais nous donnions le change. Alors, comme le temps passe, on va aborder le fameux chapitre 13 dans le livre. Vous dites... Sur ce qui s'est passé, vous avez ces mots terribles, page 319. J'ai vu ma vie déchiquetée, dépecée, exposée, interprétée. Alors que vous expliquez plus haut que la tentation fut grande de ne rien écrire sur le sujet, et finalement vous êtes résolu à écrire. Oui, je pense que dans la mesure où je racontais des choses importantes qui m'étaient arrivées dans la vie, que j'avais décidé de faire ce qu'on appelle des mémoires. Qui dépassait au départ, c'était pour raconter un peu ma vie professionnelle à la télé, même si j'avais dit je le ferai jamais. Je me dédie et je me contredis, mais j'ai voulu l'étoffer et parler un peu en effet de ma vie, de mon enfance à aujourd'hui.
Et donc, racontant ce qui m'était arrivé dans l'existence, ça m'a semblé impensable et pas respectueux pour les lecteurs de ne pas évoquer ce qui s'était passé. Alors j'y consacre, je disais toujours 30 pages sur 400, en fait, j'ai recompté, c'est 40 pages sur 400, ça change pas beaucoup la donne, en choisissant de ne parler que de la façon dont j'ai ressenti moi les choses. Et je ne me sentais pas du tout, c'est pas un livre de révélation, je n'ai pas raconté des faits qui ne sont pas de mon fait, je le dis fréquemment, je ne pas parler des échanges que nous avons eus qui ne regardent personne. En revanche, j'ai voulu parler du tremblement de terre que ça avait causé dans ma vie, avec l'envie de dire deux choses, et seulement deux choses. La première, c'est que je n'avais pas du tout envie d'aller à l'Élysée, comme on l'a supposé, parce que le monde politique m'impressionne peu. Je savais ce que c'était que la vie publique et la vie politique, et je n'avais pas vraiment envie de me trouver là-dedans. Mais j'avais dit à mon ex-mari que si c'était son choix, je l'accompagnerais. Mais la deuxième chose qui était plus importante, c'était que je ne savais rien. Alors j'admets que c'est difficilement compréhensible et que je comprends que des gens aient dit « c'est pas possible ». Et j'avoue, je suis quand même le plus honnête possible, c'est que je dis que si on me racontait cette histoire, je dirais moi aussi « attendez, elle nous raconte des craques, c'est pas possible, on vit pas 20 ans avec un homme sans le connaître ». Eh bien, j'ai pas d'explication, sauf que je suis probablement un naïf, deux sotte, trois dans le déni, quatre qu'il était sans doute un très bon homme politique qui savait convaincre à la fois les électeurs et moi que c'était quand j'avais des doutes et des soupçons que c'était absolument aberrant. Et donc je n'ai rien su. Et à tel point je n'ai rien su, c'est que pendant les trois mois où nous étions quelque sorte prisonnier à New York, je n'ai rien su de ce qui m'attendait sur la suite retour en France et ce qu'on a appelé le procès du Carlton. Oui. Donc j'ai découvert en entrant à Paris. Donc au bout d'un moment, j'ai trouvé que c'était trop et j'ai décidé de partir. Mais je voulais bien. Et si d'ailleurs on a dit que je voulais aller à l'Élysée, c'était bien parce qu'il fallait justifier. Il fallait dire évidemment qu'elle savait, évidemment qu'elle y trouvait son compte. Parce que sinon, pourquoi est-ce que j'aurais accepté ça? Et donc, elle voulait accepter ça parce qu'elle voulait aller à l'Élysée. Si vous saviez ce que c'est que l'Élysée, quel ennui. D'ailleurs, votre maman était contre, puisqu'elle disait « si tu vas habiter loin de moi, si tu y vas ». Voilà. Et page 329, vous faites un portrait que je trouve très tout en subtilité et en nuance, d'ailleurs, de Dominique Strauss-Kahn. Vous dites de lui « c'était un jouisseur intellectuel, pas un combattant ». Et plus loin, « ce que j'ai longtemps pris pour un mendésisme moderne, ne pas désirer le pouvoir à tout prix, était en fait une nonchalance, un détachement par rapport au débat d'idées, sur lesquels il aimait en revanche argumenter des heures pour le seul plaisir de l'exercice talmudique du jeu pur. » Et en lisant ça, m'a refait penser à la fameuse et remarquable nouvelle de Stephen Zweig, le joueur d'échecs, puisqu'il était passionné d'échecs, avec cette phrase de Sentovic, l'un des deux personnages du joueur d'échecs, le champion du monde d'échecs, qui dit « dommage, l'offensive n'allait pas si mal pour un dilettante. Ce monsieur est en fait remarquablement doué. » Vous avez raison, j'aurais dû, alors que j'adore Stefan Zweig, j'aurais dû relire ce passage. Voilà, vous ajoutez quelque chose à mon chapitre. Merci Anne. Voilà. Alors, je voudrais terminer parce que vous avez une phrase extraordinaire. Moi, j'ai une grande admiration, évidemment, pour l'œuvre de Pierre Nora. Et page 368, vous avez cette phrase qui est un véritable cri d'amour. « Pierre Nora m'a sauvé la vie. Il m'a redonné confiance en moi, avec cette très belle phrase. Il m'a donné le goût d'une non-conjugalité, à jouir du plaisir de la surprise, de l'inattendu, de manque et de la solitude. » Et Pierre Nora, quand je l'ai interrogé ici même, m'a dit, et c'est dans son livre, hein, Jeunesse, que vous êtes la princesse de la cour des haies. Et je voudrais terminer par... Je savais pas qui vous avait dit ça. Et je voudrais terminer par le dernier passage de votre livre, page 375. « J'ai aimé enfin raconter ces histoires d'une vie passée. Elles animeront peut-être les conversations des miens qui, de ce fait, avec ces récits, composeront une autre toile.
les souvenirs servent à baliser le temps et borner le présent, ou tout simplement à être jeté au vent dans une prairie au bas des 12 collines. Et puis je rajouterai, et nous avons aussi beaucoup aimé les lire. Voilà, merci. Je crois qu'on peut applaudir Anne Sinclair. Merci.